Okay, it's rap pack to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my calling. Flow is so appalling. My phone off and she calling. I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what a view. Et là, il nous reste encore 6 défenses, c'est ça? Ouais, ça peut être long. Mais ça va le faire. Et là, je suis en train de rec, mais comme je t'avais expliqué, en fait, je m'entends moi, mais vous, non. On n'entend que moi dans le... C'est pas grave, ok. Comme c'est une mission intéressante, je me suis dit, ça peut être sympa de la faire partager. Bah mais j'ai bugué. J'étais, je voulais commencer dès le départ, mais j'ai bugué deux fois. Comment dire, éjecté du jeu. Ouais, t'as dû prendre un méchant coup, mais toi t'es bas niveau, non? Voilà. Parce qu'en fait... quand j'enregistre, si je mets pas un casque sur mes haut-parleurs, ça fait des putains de réverbérations. Ça fait v'là l'écho, quoi. Ça aurait été cool d'entendre tout le monde dans la vidéo, quoi. Bah, j'essaierai de trouver un moyen dans la semaine. Oui, je trouverai bien un moyen. Donc là, il reste 58 secondes. Ouais, parce qu'en fait, je peux tout faire, hein. Je peux rec le jeu, je peux enregistrer ma voix. Le problème, c'est que comme je suis dans un groupe dans le jeu, comme j'ai les écouteurs sur la manette, ça coupe le chat de mes copains, quoi, enfin de mes collègues. Ça met que le son de moi, en fait, dans la vidéo. Ou alors, faut que je règle ça dans les paramétrages, je sais pas, faut que je voie. Après, si, hein, si j'enlève les écouteurs de ma manette là, on vous entendra. Mais pas moi. Mais moi du coup je pourrais pas vous entendre. Ouais voilà. Ouais normalement. Normalement on entend tout le monde. Et donc là il reste 3 nuits à faire, c'est ça? Ouais, ça va commencer l'attaque dans 5 secondes. Elle est trop stylée ta construction, j'adore. Et d'ailleurs ils arrivent par là, hein, par ta construction là-bas. What? Il y en a qui arrivent à passer. Hein. Je vais laisser passer pour voir, mais... Oh, les petits devraient... Ah, il est passé lui. Non, mais après, si je leur mets des petits dégâts en fait avant qu'ils passent sous le piège, je pense que ça donne plus de chance au piège de les tuer, quoi. Voilà, j'ai plus personne. Ah, c'est de l'autre côté. Ah, ouais, stylé ton. Ton péage d'autoroute piégé. Il y a un gros là-bas, non? Ou je rêve? Non, je rêve. Eh, tu vas crever, enculé. Meurs, je te dis, moi. Meurs. Non, mais... Moi, j'y vais, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je fonce dans le tas, moi. Tu vas où, toi? Vous passerez pas. Bon, je kifferais de monter sur la tête. Je pourrais dire que j'étais grimpé dessus. Lol. Ah, motherfucker! Tu bouges plus? Comment ça se fait que tu bouges plus? T'as pas bugué au moins, j'espère.
T'es où toi? Ah, reste pas là-bas, reviens, reviens. Regarde s'il n'y a pas une dalle de soins quelque part. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais ça m'inquiète. Elle bouge plus. Oh, tu sais que t'es en train de te faire taper dessus, que je t'ai sauvé la vie là? D'accord, c'est pas genre merci de m'avoir défendu, de m'avoir protégé. Non, non, c'est. Ouais, attends, moi j'ai 11 000 points de vie, ok? J'suis pas venu ici pour souffrir, moi. Après, heureusement que c'est pas une caractéristique inhérente à la personne féminine, quoi, tu vois. Heureusement. Parce que, tu vois, en général, les filles, elles aiment bien les hommes qui font peur, qui font preuve de galantisme. Ouais, ça. C'est un mot, je viens de l'inventer. Je sais, je sais. Et je sais. Blagounette, humour, galijade. Bah, franchement, ça va. Hein. Ils ont du mal à passer avec tes pièges de taré, là. What? Putain, mais c'est pas possible. Allez, plus que 2 secondes. 1. Allez. Encore une nuit de fini. C'est bien les gars, ça c'est du travail d'équipe. Donc il nous reste plus que 2 nuits, hein, c'est ça? Bah t'as pas dit qu'il y avait 6 ou 7 nuits à faire? 7? Eh ouais, donc il en reste encore 3. Eh, pourquoi tu m'enfermes? Non, s'il vous plaît. Non! Laisse-moi sortir. Non! Elle m'a enfermé! M'en fous, je fais une porte. Voilà. J'ai dit. Voilà. Attends. Je te donne du métal, moi. Là, je suis à côté de toi. Là, je t'ai tout donné, hein, ma pierre, mon métal, tout. J'ai plus rien, tu m'as ruiné. Elle m'a ruiné, putain. C'est quoi ça de la pierre? Ah ouais. Ça va peut-être servir ça, le feu de camp. Allez. On est chaud. On va y arriver. Attends, dalle de soins. Je vais me soigner un peu là maintenant. Alors, par où ils arrivent là? Ah, par là. Ah, si, ils sont en train de le niquer, le C là-bas. Je vois la vie qui descend. Ah ouais, merde, t'as pas fait les là où il fallait. Merde. Ah ouais, on a rien fait là. Vas-y, Nam, construis pendant que nous on te protège. Ah ouais, là on a fait une connerie. Mais bon, en même temps. Putain, il y a un gros qui arrive. Il y a un fracasseur là. Allez, crève. C'est bon, bravo les gars. Putain, en plus, il doit pas te rester grand chose en matériaux. Du coup, il t'a tout dépensé pour de l'autre côté. Bah, au moins, il sera prêt pour la prochaine, quoi. Et si, ils partent de l'autre côté, je comprends pas en fait. On dirait qu'ils attaquent 2 points à la fois. Ils attaquent lequel là? Ah, ils attaquent là. Bah, moi non plus, je peux pas réparer parce que j'ai plus de matériaux. Ouais, c'est tendu là. Ça commence à devenir chaud.
Ils arrivent de plus en plus à traverser les pièges. Je peux pas rester avec vous, hein, parce que de l'autre côté, ça attaque. Ok, bah vas-y, moi je reste là alors. Oui, mais ils sont en train de passer pour aller de l'autre côté là-bas. Donc je les bloque. Parce qu'en fait, là où je suis, ils passent à travers les pièges. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils sont nombreux. Ils attaquent en gros nombre en fait. Parce qu'au niveau de la vie, ils sont faibles. Hein. Ah, t'es mouru. Je vais te sauver. Ouais, va sur les plaques. Ah, il est sympa, mais il y a des fois où il est un peu space, tu vois. Comme là. Eh, vous prenez pas vos... Capri, t'as des trucs pour toi, là. Munitions de cartouches, munitions de je sais pas quoi. Il y a plein de trucs par terre à ton nom. Bah, ils ont réussi à tout péter. Ouais, les trucs électriques, là, ils commencent à plus faire d'effet, quoi. Bon, pour l'instant, ça va, on s'en sort. De toute façon, il reste 20 secondes. On est quasiment à la fin, là. Je crois qu'il va rester plus que 2 défenses, un truc comme ça. Vas-y, pour 10 secondes, j'ai pas cramé ce qu'il me reste de balles. Allez. Bah, du coup, on va essayer de se restuff pour la prochaine, quoi. Je vais essayer de... Ouais, je suis en train de le voir. Là. Putain, ça a commencé, je suis même pas avec vous, quoi. Oh, le mec, quoi. Ouais, mais je faisais pas gaffe. Je faisais vraiment pas gaffe au timer, je suis désolé. Donc, du coup, j'arrive, je vais te filer mes ressources. J'ai un tremplin ici, là. Mais j'arrive, je peux pas le prendre. Tiens. Prends... Ok. Ah, vas-y, viens, on va les aider. Ah, il y en a plein d'ennemis là où je suis. Hein. À côté du A. Ah, vas-y, moi je reste là. Putain, ils font mal. Hein. Eh ouais, ils ont tout cassé là-bas. Ah d'accord, c'est pas eux qui ont cassé. Ouais d'accord, ok. Ils se cassent tout seuls au bout d'un certain moment, d'accord. D'accord. Des violets, non? C'est quoi les plus forts? C'est les violets. Empire. Ouais. Ah, c'est les ors. Or légendaire, d'accord. Ouais, ils sont plus solides ceux-là. Ah mais là laisse tomber, niveau 70 au début tu dis? Mais on pourrait même pas les tuer en fait. Moi je suis niveau combien? 10 je crois. Mais encore ça va que Nam m'a filé des bonnes armes. Hein. Parce que sinon je galère rien. Oh, ils m'ont séché. Saloperie. Ouais, nous on a 0. Mais il reste encore 2 nuits, je crois, c'est ça? Eh ouais, donc il en reste encore 2. Ouais. Ah ouais, celle-là, elle est longue de mission. Ils ont intérêt de nous filer des bonnes récompenses dans la fin. Je te le dis. Ouais, non, mais moi non plus. J'ai pas eu le temps de regarder.
Je serais amusé avec la tornade. Ça me fait voler dans le ciel, c'est excellent quoi. Bon, on stuff et on se prépare pour la mission 6. Allez, c'est parti pour la nuit 6. On est presque à la fin. Faut protéger surtout, laisser le EC. Hein, parce qu'il a pris beaucoup de dégâts. Hein. Je vais aller voir si t'as du monde là-bas. Qui attaque. Ouais, ça attaque sur C. Hein. Non, j'hallucine pas, ils sont là en bas. Ils passent dans le piège électrique. Wouah, je me fais déboîter. Putain, barrez-vous là. Il y en a plein de cette saloperie de fumée là. Wouah, je vais crever. Ouh, j'ai pris cher là. Elles sont où les dalles de soins là? Putain, elles sont de l'autre côté. Moi je suis dessus là. Ouais, c'est ça, ils veulent plus mourir les zombies. Dès qu'ils vont dans des pièges, ils font demi-tour. T'sais, ils comprennent qu'il y a un piège, c'est. Allez les gars, on est presque à la fin, on lâche rien. Ouais, je m'en occupe. T'sais comment je leur fais mal. Ouais, ça va. Franchement, les armes que tu m'as données qu'après, elles sont sympas. Hein. Je leur fais mal, là. Bah ouais, parce que je me rendais pas compte, moi, que c'était des armes aussi puissantes. Je pensais que c'était normal, tu vois. Donc je suis content de les avoir, en fait, hein, parce que... Ah bah ouais. C'est pour ça que je te remercie. Après, ceci dit, sans toi, j'aurais peut-être pas eu de sauver le monde aussi. Et du coup, comment on fait pour ceux qui n'ont pas de code, par exemple, et qui veulent avoir des codes pour sauver le monde, comment ils font? Ouais, faut qu'ils achètent le jeu. Il coûte combien le jeu? Hein? Pas possible. Non, mais là, vous parlez pour tout le jeu, pour avoir Battle Royale et sauver le monde. D'accord. Donc c'est 40€ et t'as les deux trucs, t'as les deux modes. Ça fait cher quand même. Hein. Parce que moi ça me fait rire parce que à la base, ce qui a fait que les gens sont tous venus sur Battle Royale, c'est parce qu'il était censé être gratuit. Mais tu me dis c'est 40€, il est pas gratuit. Ah, c'est que sauver le monde 40€? Ouais, mais ça fait cher. Moi, je pensais que c'était genre 20 balles ou un truc comme ça. 40, c'est cher. Ça veut dire que là, tu m'as payé un code pour un truc à 40€. C'est un truc de dingue. Non, mais c'est comme si tu me l'avais payé, vu que le jeu, je l'ai pas payé. Tu vois, c'est comme je l'ai offert gratuit. Bah ouais, c'est comme si tu me l'avais payé. T'imagines, 40€. Ah ouais, je pensais que c'était largement moins cher que ça. Bah pour ce que c'est, je trouve que c'est cher, quoi. Étant donné que c'est un mode de jeu. C'est un mode de jeu supplémentaire, tu vois. Ouais, tu me diras, Zombie Chronicle, il coûtait 30€, hein. C'est pas... Tu vois, c'est pas mieux, hein. Non, après, c'est vrai que ça va par rapport, ouais, comme tu dis. Tant que tu passes dans le jeu... Ouais, j'avoue. Non, mais par rapport au nombre de missions qu'il y a, à la long, enfin la longévité de la durée de vie du jeu, j'avoue que 40€ finalement c'est pas si cher que ça. Mais je pensais que c'était moins cher quand même. Et c'est vrai qu'à titre de comparaison, tu prends Zombie Chronicle sur Black Ops 3 qui est à 30€. Bon, t'avais quand même 8 maps zombies, hein. Mais au final, voilà. Pour 10€ de plus, bah, t'as un mode aventure là qui est plutôt sympa quoi. Donc ouais, non, au final, ça les vaut, quoi, je pense. 40€, ça les vaut. Allez, plus 30 secondes, les gars. Et les filles. Ouais. Bon, il reste 15 secondes, hein. Gardez vos munitions, tirez plus. Allez, 5 secondes. Et il nous restera plus qu'une nuit, et on aura fini la mission.
Ouais. Encore une nuit, on a fini. Putain. Ouais, donc au final, ouais, c'est... Mais je maintiens... Ben non, mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. C'était sûr, c'était obligé qu'il nous servirait pour une démission. Donc là, au final, on n'a plus rien à faire ici. On n'a qu'à attendre, quoi. Ok, bah vas-y, pendant ce temps-là, moi, je vais me refarmer quelques matériaux. Et ouais, du coup, franchement... Mais honnêtement, je maintiens ce que je dis, je préfère largement le mode sauver le monde que le Battle Royale. Hein. Bah, c'est différent, oui, c'est sûr. Mais voilà, à choisir, je préfère jouer à sauver le monde, quoi. On va dire que t'as plus de temps de jeu, quoi. Bah, je parle parce que c'est plus intéressant d'animer le groupe, quoi. De parler, de communiquer. Après, moi, tu sais, le jeu, je le découvre un peu aussi, hein. J'y joue. Non, mais je le prends pas. Bah, je l'ai pas pris comme une remarque déplacée, hein. Mais non, mais bon, après, tu sais, je m'énerve moins qu'avant aussi, hein. Avant, je m'énervais pour. Enfin, tout le temps, pour tout et n'importe quoi. Là, j'essaie de modérer quand même. Même si je m'énerve pas longtemps. Tu vois, ça sert à rien. Mais est-ce que. Y quoi? Ouais, voilà, c'est ça, tu dis. Ouais, non, mais parce que, en fait, non, moi je dirais pas ça, en fait. Parce que Battle Royale, justement, t'as pas le temps de vraiment t'amuser, tu vois. T'es tout le temps obligé de courir. Et encore, quand t'as la chance de pas crever dès les deux minutes, tu sais, les deux premières minutes, tu sais. T'atterris sur un mec, il te tue. La dernière attaque commence dans 5 secondes. Et c'est parti. Allez, on est presque à la fin. On y croit, on va réussir. C'était long. Putain, qu'est-ce qu'elle était longue cette mission? Je crois que c'est la plus longue que j'ai faite avec toi, Capri. Ouais, je crois. Bah, même la mission de dingue qu'on avait faite avec tes potes là. Qui était niveau je sais pas combien là. Ouais, mais c'était une défense de niveau combien déjà? 9. Putain, on en avait chien. Hein. Mort de la vallée. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que j'ai galéré. Hein. Moi, j'ai galéré. Hein. Oh. Putain, ils attaquent par où là? Je vois personne. 72. 70, ouais. Et moi j'étais niveau combien? J'étais niveau 5. Laisse tomber quoi. J'ai réussi à faire quelques kills quand même, hein. Mais j'en ai chié. Hein. Et encore, j'avais les armes que tu m'as données, heureusement. Ouais, bah ouais, mais c'est ce que je fais aussi. Moi j'ai tendance à faire pareil, à faire plein de murs, plein de murs, plein de murs pour les empêcher de passer. Alors qu'au final, bah ça sert à rien quoi. Parce qu'ils arrivent à tout péter de toute façon. Et puis ils pètent tout à une vitesse en plus. Franchement, t'as fait une bonne défense, là, Capri. Hein. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Oh là 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 là, ce qu'ils m'ont mis! Ah ouais, ils m'ont mis trop cher, là. Bah, vers là où je suis mort. Il doit pas être loin. Non, il est là, il est là. Putain, mais il fait mal, lui. Hein. Ah, il fait semblant, il a dit. Il m'a mis un coup, je suis tombé par terre. Il me dit, mais non. Il fait pas mal. Merci. Putain, je suis mort au moins 4 fois déjà depuis le début. Hein. Ah, c'est lui là, avec ses lasers, il fait trop mal. C'est lequel? Putain, c'est. Ils sont en train de niquer ses là-bas. Non, c'est le C, hein. Bah, de toute façon, il reste 2 minutes, hein. Donc ça va le faire. Hein. Ils pourront pas tout casser en si peu de temps. Hein. Ah ouais, t'imagines à la fin? Ils te mettent 5 gros boss comme ça. Ah bon? Non, je pense pas. Je pense pas qu'on aura une vague comme ça. Allez, plus que 20 secondes. Plus que 20 secondes et... Et on a fini cette putain de mission. 5.
4, 3, 2, 1. Non! Oh, je suis mort! Je suis mort à la seconde 0! Bah si. Bah non, mais me dis pas ça. Hein. Ah, me dis pas, je suis mort et que j'ai pas d'XP. Si, si. Si, si, bonus 6. 1 million. 1 million d'XP. D'où t'as 2 millions? Pourquoi t'as 2 millions et moi j'ai qu'un million? C'est quoi cette arnaque? Bah, foi, c'était une bonne mission. Bien longue, bien dure, mais 1 million d'XP quoi. On va voir ça. Ouais, pourquoi moi ça me fait pas retour à la base? Eh, je suis bloqué à l'écran, survivre 7 jours minimum, machin, victoire. Comment je fais pour revenir là? Mais 1 million d'XP, je suis. C'est une mission qui valait le coup quoi. Alors je vais où dans butin, c'est ça? Alors, mini lama. Là, je gagne pas mal de trucs là, je suis assez content. XP, ok. Voilà, ah, il va y avoir du bon là-dedans. Ou pas. Ah, j'ai gagné un survivant en épique. Je prends quoi? Cri du dragon ou dent du dragon? Bah, le cri du dragon, moi. Pas corps à corps moi. Bat Lance Rocket, hein. C'est ce que j'ai pris aussi moi. Moi il me reste lama amélioré et lama à arme. C'est quoi lama à arme? Bon bah j'ai tout ouvert alors. Du coup. Et je vais aller voir si ça m'a. Je vais voir si ça m'a fini ma mission. Enfin ma quête. Ah, j'ai eu 1000 tickets. Ah, mais attends, ça veut dire que je peux ouvrir un lama là. 1000, pas 2000, hein, 2000. 1000. Récompense de mission 750. J'ai donc, je dois avoir 1750 tickets. Je vais voir butin. Ah ouais, j'ai 1000. Je peux ouvrir le gros du milieu, le lama tempête. Vas-y. Vas-y, je l'ouvre. Attention. On croise les doigts. Lama terminé. Ah, donne-moi un bon truc là. La faux à démon, je sais pas ce que c'est. Non, la foi à néon, pardon. Foi à néon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai gagné le Jess Ami des Ours. En héros. Rare héros. Un héros rare, pardon. Plafond toxique. Défenseur rare. Survivant rare. Dynamo mural. Survivant atypique. Et héros atypique. Il manque 200 tickets pour en ouvrir un autre. Ça va. Par contre, j'ai 8 trucs de. Ah, je vais aller dans l'arbre des talents. Alors attends, ce que je me rappelle, tu m'avais dit qu'il fallait que j'ouvre. Bah ouais. Niveau 11. C'est tout? C'est-à-dire que j'ai gagné un seul niveau avec la mission qu'on vient de faire là? Et le 1 million d'XP? Ah oui. Exact.
Après, faut que je mette des personnages, machin et tout. Bref, voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été long, ça a été assez compliqué de la finir. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura tout simplement plu. Donc si ce genre de vidéo, encore une fois, vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires de la vidéo et j'en ferai peut-être davantage régulièrement. Mais il faut que vous, de votre côté, vous me donnez aussi l'envie de faire ce genre de vidéo et de faire des vidéos tout court. Donc pour ce faire... Je compte énormément sur vous pour soutenir la chaîne, bien entendu, que ce soit en termes de vues, de likes, surtout pensez bien à liker la vidéo, c'est très important. Ça me montre que les vidéos vous plaisent et que ça vous porte de l'intérêt, ainsi que mon travail, hein, tout simplement. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous afin de la faire connaître et qu'on puisse, pourquoi pas, atteindre la barre des 6000 abonnés. N'oubliez pas que vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Skype. Et de surtout pas oublier d'activer la cloche des notifications pour rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Big up.